Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une grosse vidéo que vous attendez tous. Une vidéo où je vous montre complètement ma chambre complète avec mon setup et tout ce qui va avec. Vous l'attendez depuis très longtemps, vous l'attendez les amis. Là, pour ceux qui s'en souviennent, c'était mon ancienne chambre. Donc j'avais mon setup, etc. Et là du coup c'est ma nouvelle chambre avec mon nouveau setup, etc. Sans plus tarder, je vais vous montrer ça. En attendant, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Je compte sur toi, petit pouce bleu aussi, ça me ferait plaisir. Et puis let's go, on va aller voir directement la chaîne. Mais avant d'aller voir la chambre, avant d'aller voir la chambre, on va vite fait appeler Silas pour qu'il filme tout ce qui va se passer. Hop là, on va l'appeler du coup. Silas, Silas, vas-y, viens me filmer. Je suis aux toilettes, deux secondes, je fais un truc. Comment ça, tu es aux toilettes, tu fais un truc? Vas-y, viens, viens, vas-y. Deux secondes. Ouvre. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Bouge. Qu'est-ce que tu fais? Bouge. Oh, tu manges aux toilettes? Non, bouge. Attends, mais tu es sérieux là? Bah ouais. Là, là, tu manges aux toilettes là. Mais va sur la table pour manger. Je savoure dans les toilettes. Tu manges quoi? Tu manges quoi? Je mange des potées et tout. C'est parti les gars, je vous montre la chambre. Allez-y. On se retrouve dans ma chambre. Cette vidéo est sponsorisée les amis par Habitools. Je les remercie fortement parce que c'est grâce à eux que j'ai pu finir mon setup complètement. Et je vais vous expliquer ce que c'est en détail dans quelques secondes. Donc les gars, Habitools, qu'est-ce que c'est? Vous avez les informations aussi sur votre écran. C'est une extension Chrome qui vous permet d'acheter sur AliExpress. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que mon décor de fleurs, je l'ai acheté sur AliExpress parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Et en fait, grâce à Habitools, j'ai pu l'acheter au meilleur tarif les amis, au meilleur tarif. C'est-à-dire qu'en fait c'est une extension Chrome et ça vous dit quand est-ce que c'est le moins cher, quand est-ce que c'est le plus cher, histoire de ne pas vous se faire douiller. Et aussi, si par exemple le produit est trop cher, ben, ça vous donne aussi un équivalent dans un autre vendeur. Donc ça peut être pas mal. Allez voir, tout est dans la description les gars, c'est totalement gratuit. Ça vous permettra du coup d'acheter sur AliExpress le moins cher possible. Comme moi par exemple, j'ai acheté mon décor, mais il y a plein d'autres trucs aussi à acheter. Moi j'ai acheté mon décor, mes lumières sont venues de chez AliExpress et tout. Et tout ça grâce à Habitools, l'extension Chrome totalement gratuite. Je vous mets en description. Allez checker les gars, ça fait plaisir, ça aide à soutenir la chaîne aussi. Donc je compte sur vous, allez voir, ça fait plaisir. On se retrouve sans plus tarder sur le décor. Donc on va passer du coup sur le décor au niveau de la décoration. On a une petite guitare grecque. Une vraie guitare grecque les amis, ça vient de Grèce carrément et tout. Ben ouais, logique. Mais je vais l'accrocher au mur. Là j'ai pas eu encore le temps, en fait il faut que j'achète les outils etc. Du coup j'ai pas eu le temps encore de les acheter. Donc on va l'accrocher au mur et ça sera totalement terminé. Mais sinon c'est terminé, la chambre est terminée, le setup est terminé. Donc là mon mur de fleurs, bien sûr que j'arrose tous les matins les gars. C'est très important, il faut arroser tous les matins les fleurs et tout. Il faut cueillir des fleurs, mais je rigole, des fleurs en plastique. Vous avez écrit quoi? Vous avez écrit quoi? Des petites LED, des lumières etc. Là vous savez la télécommande, je peux contrôler les petites lumières des lumières. Les petites lumières des fleurs, ok. Parce que les lumières des lumières c'est compliqué. Petite lumière de fleurs que je peux contrôler avec la télécommande. Aussi ce que j'ai aussi, je vais vous montrer aussi mon lit parce que c'est de la bombe. En fait, parce que pour ceux qui m'ont connu, je vivais dans la chambre de mon petit frère, ok. Et ce gros porc qui est derrière la caméra, il prenait toute la place dans la chambre. Et en plus de ça, j'avais un lit superposé. Donc là, maintenant, j'ai un vrai lit. Je peux me reposer tranquille ou bistou. J'ai une couverture. J'ai aussi des habits à l'intérieur parce que je peux ouvrir le lit. Je vais vous montrer. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête, arrête. Arrête, arrête, je te dis. Je... Arrête. Arrête, je vais te défoncer. Arrête, déjà, je vais faire tomber la caméra. Ouais, c'est ça. Ah, voilà, donc ici je mets tout ce qui traîne, les trucs d'hiver, etc. Et après les trucs d'été, je les mets dans mon placard et vice versa, tu vois. Du coup, je mets quelques chaussures que je mets pas tout le temps au fond. Et puis... Rentre dedans. Hein? Rentre dedans pour voir où on essaie. La vie, toi, tu es capable de rentrer dedans et manger un tacos. J'ai juré, vas-y. La vie, je suis sûr, certain. Oh les gars, à combien de pouces bleus? À combien de pouces bleus, Silas, tu rentres là? On commande un tacos, tu fais une dégustation. 1000 balles, le 1000 pouces bleus. 1000 pouces bleus? Ouais. À 1000 pouces bleus? On met la caméra là, là, et tu rentres en commande ta coche, tu ouais. Rentres dedans et tu bouffes. Ouais. Tu fais une dégustation dans le 1000 pouces bleus. À 1000 pouces bleus. Ouais. Oh, les gars, vous savez ce qu'il vous reste. À 5000 pouces bleus. Non, non. 1000... Attends, à attends. 1000 pouces bleus, comment ça va inventer? Non, là, j'ai fait une vidéo de 24 heures. Attends. Exposez-moi cette. J'ai fait une vidéo de 24 heures que je vis pendant 24 heures en dessous de ton lit. Non, mais ça, c'est à moi de le faire, c'est pas toi, c'est ma chaîne, je te rappelle, c'est pas toi. Ben, tu fais combien de pouces bleus, vas-y? 1000 pouces bleus, tu fais une dégustation. Mais à toi, à toi. Non, non, mais moi, on verra plus tard. Ah ouais, ça, il a fait. Mais d'ailleurs, donnez-moi les idées en commentaire si vous voulez, etc. Des vidéos qui vont arriver parce que des grosses vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour ça que je t'invite à activer la cloche de notification si c'est pas encore fait. Active la cloche, abonne-toi si c'est pas fait. Je me répète, mais c'est super important. 1000 pouces bleus, Silas, il fait une dégustation de tacos à l'intérieur. Donc voilà. Tacos 3 viandes. Oh ouais. Vas-y, je te le paye, t'inquiète. Pour une fois dans sa vie. Voilà, les amis. Là, j'ai les petits placards.
où je range mes habits, etc. C'est très très bien rangé. Je vois pas pourquoi vous dites que ça va être mal rangé. C'est très bien rangé. Me montre alors que c'est très bien rangé. Non, non, c'est bien plié, bien rangé. Je vais pas montrer pour rien là. Ouais, c'est ça. Vas-y, ouais, c'est bien bon. Sûr, bien sûr. Et on passe à la partie la plus importante, je pense, de la chambre. La plus importante de toute la maison. Je pense la plus importante de toute ma vie, de tout YouTube, etc. Grâce à ça, les amis, vous avez normalement jamais vu mon setup. Alors, vous avez vu la setup 2020, mais vous avez pas vu le setup 2021. Il y a tout qu'à changer, soit les écrans, le PC, le micro, les lumières, il y a tout qu'à changer, je vais vous expliquer ça. Et n'oubliez pas que je vous mets tout en description comme d'habitude, si vous voulez checker, etc. Donc on va commencer par le petit micro, c'est un micro Shure SM-B7, vous l'avez aussi dans la description. Celui-là, je l'ai relié directement à ma table de mixage, c'est un Go XLR, donc table de mixage. Alors c'est entièrement automatisé, c'est ça qui est cool, regardez, hop. Hop, si je veux muter des micros, là j'ai mes micros, musique, etc. Bon, ça change de couleur et tout, mais j'ai pas encore eu le temps de tout configurer. Donc je peux faire micro, musique sur Spotify, le Discord, je peux les muter si je veux, juste ici, etc. Avant, j'étais obligé à chaque fois d'aller passer sur mon deuxième écran pour les muter, etc. Là, j'ai juste un bouton appuyé, ça les mute. C'est trop trop bien. En plus, je peux mettre des échos, je peux mettre des reverbs, je peux mettre plein de trucs. C'est assez amusant. Je peux mettre voix robot, voix mégaphone, etc. Franchement, c'est super cool. Ici, vous avez la bête, on va y revenir un peu plus tard. D'abord, je vous présente les écrans. Bon, les écrans BenQ, comme vous le savez. Pour si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous le savez. Je suis en partenaire avec BenQ. Et puis, ça fait super plaisir. Très très bon écran. C'est de très très bons écrans. Et en parlant d'écran, les amis, j'ai des écrans en rap. Chers, tu peux pas mieux filmer, genre mieux cadré? Non, mais je suis bien cadré. Ok, ok. Vous voyez, regarde, que... regarde. Okay, bien cadré. Ok, ok. Hein. Recule. 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 Pro. Recule encore, parce que recule. Ah, t'as cassé mon livre. Horizontal pour justement lire le chat, etc. Mettre de la musique, lire le chat, etc. D'ailleurs, je suis en live tous les soirs sur Twitch. Vous avez le Twitch sur l'écran aussi. Eh ouais, vous avez les transitions publicité quand je me gave. Petite chaîne YouTube à 210 000 abonnés avec une nouvelle bannière. Un nouveau logo, on part sur des bases pures les gars, des bases saines. Grosse vidéo qui arrive sur la chaîne aussi. Et puis bien sûr, petite manette pour jouer à Call of, etc. Envoyée par Burn Controller, deuxième sponsor de la chaîne, etc. etc. Vous connaissez les bails de toute façon. Donc manette PS5, manette PS4, petit souris aussi de chez Burn. Après, je suis pas un joueur clavier souris, vous le savez, donc j'ai pas besoin d'avoir une grosse souris énervée. Petite souris Burn, ça va très très bien, RGB, etc. C'est pas mal du tout. Petit clavier Corsair. Donc ça par contre les amis, je suis très déçu de Corsair, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis, parce que en fait j'ai acheté ce clavier, j'ai payé en plus 100 euros, et en fait c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. En fait, ce qui me gêne aussi, c'est les boutons sur le côté, c'est pas du tout simple. Sinon dans l'ensemble, j'arrive pas à jouer avec. Donc c'est pas un clavier qui m'a convaincu, on va dire. C'est pas un clavier. J'ai eu des claviers à 30 balles qui étaient mieux que celui-là. Donc c'est mon avis personnel. Je dis pas Corsair c'est la marque et tout, c'est la... Je dis juste que mon avis personnel, ce clavier de chez Corsair, ben, ça me plaît pas. C'est pas mon goût, c'est un peu de la merde pour moi. Je vous le dis de toute façon, voilà. Alors petite table arrondie au niveau de la planche. Mais les pieds, on est tout trafiqué ici. Les pieds, c'est pas des pieds arrondis. C'est les pieds de la marque Flexispot. De toute façon vous aurez tout dans l'inscription. Et en fait c'est un bureau du coup qui monte et qui descend. Et ça les amis, c'est de la frappe. Parce qu'en fait, quand je suis en stream pendant des heures et des heures, des fois j'en ai marre d'être assis sur ma chaise Ikea. Ok, une chaise Ikea. Donc s'il y a une marque de chaise qui passe par ici, Amikouche, il est là. Amikouche, il n'y a pas de problème, les amis. Je rigole. Mais du coup, si j'en ai marre d'être assis, etc., pendant des heures et des heures, ben, je mets mon bureau au-dessus. Vous voyez comme il monte haut. Bon, je ne le mets pas aussi haut. Mais voilà. Comme ça, je peux jouer tranquillement debout avec la manette, etc. C'est super bien. Et ça repose un peu parce que être assis pendant 4-5 heures d'affilée, c'est un peu chiant et ça fait un peu mal. Mais là du coup je le monte. En plus je peux faire des vidéos debout, donc ça c'est trop trop bien. Petite vidéo debout, etc. C'est trop trop bien. On passe au PC les amis, on passe au PC. C'est un i9 de dernière génération avec la même carte graphique du coup, 1088 Go. C'est une 1080, GTX 1088 Go, 16 Go. 1088 Go. 8 Go, ok, 1088 Go. 16 Go de RAM, il faut que j'en rajoute 16 aussi. Mais pour l'instant, un budget à court. Water cooling, carte mère à Aorus, carte mère à Aorus. Vous avez tout dans la description. J'ai voulu ce boîtier, il est magnifique ce boîtier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est qui te l'a monté? C'est qui te l'a monté? Ben, c'est mon père. C'est ton père. Mon père, il connaît même pas
un PC, tu... Vas-y, vas-y, joue, vas-y, fais ta vidéo de merde. Du coup, là, je vais niquer avec Du coup, ici, petite batterie externe pour recharger mes appareils quand je suis pas à la maison. C'est-à-dire, je peux recharger ma caméra, je peux charger mon téléphone, petit iPhone 11, tranquillou. La White Light, je sais pas comment ça s'appelle, la Key Light. C'est une Key Light ou Ring Light, je sais pas quoi. J'ai acheté ça 80 euros et franchement c'est la bombe, regardez. Ça va vous faire mal aux yeux peut-être, mais oh, vous voyez, c'est exceptionnel. Moi je le mets jamais aussi fort parce que ça fait vraiment mal aux yeux. Et puis franchement je peux mettre le téléphone ou la caméra au milieu, c'est super bien. Il y a un pied aussi derrière, moi là je l'ai fixé au bureau comme ça je suis tranquille parce que c'est pour le live. Et franchement c'est pas mal du tout. Le trépied du micro, c'est un trépied Rode. Bon celui-là il a pas changé parce que super bon trépied. J'ai changé juste le micro, avant j'avais le Rode NT USB. Maintenant il est à moi. Et je l'ai donné à mon petit frère du coup. Ah, t'es content hein? Il me sert à rien. Voilà, petite télécommande, je peux contrôler la lumière de ma chambre. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre des couleurs un peu plus... voilà, t'as capté, couleur rouge. T'as capté, attendez. Hop. Ça, pour les gens comme Miko, c'est bien ça. Ça c'est trop bien les gars, c'est la folie. Après je peux l'éteindre avec la télécommande. Et je peux rallumer avec la télécommande, c'est trop bien. Franchement, c'est stylé. Super content. Voilà, bureau c'est fait. Mon ancien PC de stream avec lequel j'ai commencé, il est toujours là. Pour l'instant, je sais pas ce que j'en fais, mais il est toujours là. Et puis, ma webcam de chez Logitech, c'est la C922. C'est la meilleure. C'est la meilleure webcam pour stream. Voilà. Ça coûte, je crois, 50 balles. Je crois que j'ai acheté dans 50-60 balles, je sais plus. Vous avez le lien dans la description. Et puis, c'est le top du top. Ça fait 2 ans que je l'ai, les gars. 2 ans, elle n'a pas bougé. C'est nickel. Ça filme nickel. Et puis voilà. Je sais aussi qu'il y a pas mal de monde aussi qui veulent savoir un peu plus dans ma chambre. Donc je vais vous faire vite fait un home tour. Ici je mets mes chaussures que je mets tous les jours. Voilà, ici j'ai mon petit Dyson qui m'a sauvé la vie cet hiver parce qu'il faisait super froid. Et qui va me sauver la vie aussi cet été parce qu'il va faire super chaud. Bien sûr il y a le ventilo chicha aussi qui va arriver. Non c'est pas froid tu veux dire parce que... Il fait froid aussi. Non t'as dit il va arriver cet été, il est super chaud. Non c'est super froid après. Il s'est pas parlé de ce petit. Il est super froid. Ouais, d'accord. D'accord. Donc, petit Dyson. Le ventilo chicha aussi qui va arriver. Petit pouf au cas où j'ai des invités ou au cas où j'ai des potes qui viennent et tout. Ils ont des pouces pour s'asseoir. Je peux m'asseoir moi. Oh, il y a une fleur qui est tombée. Bah, je le fais gagner sur mon Instagram. Vous avez juste à me dire si vous voulez un écran ou une fleur et je vous le gagne. Ok, je le pose sur mon bureau. Je le pose juste ici et je vous ferai gagner sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram parce que je mets des stories de fou les amis. Mi-couché sur Instagram. Et puis on s'amuse, on rigole quand on met des stories de malades, etc. Donc je pense qu'on a fait le tour. Juste la caméra. J'ai acheté une nouvelle caméra pour faire justement les vidéos, etc. IRL, etc. Donc les vidéos vlog, etc. Donc c'est la caméra qu'utilise pratiquement tous les youtubeurs. Utilise ça, donc c'est la Canon. Oh sa caméra. Legria Mini X. C'est la Canon Legria Mini X. Je vous la mets aussi dans l'inscription. Mais je crois qu'elle est plus commercialisée. Moi je l'ai achetée, elle était reconditionnée parce qu'elle n'existe plus en neuf. On peut plus l'acheter. Mais franchement, ça tue pour faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est de la bombe. J'y mets un trépied Joby. Joby Joba. La salsa. Vous connaissez les bails. Du coup, petit trépied aussi pour mes casquettes. Donc ça, normalement, c'est le trépied pour ma guitare. Enfin, la guitare grecque. Et du coup j'en ai fait pour les casquettes parce que je vais l'accrocher au mur. Et puis voilà quoi, le petit masque pour le Covid ici. On a fait le tour, grosse enceinte ici si j'ai envie de mettre la musique. Non les gars, ma petite chicha. Et ouais je vous mets des stories Instagram de toute façon vous le savez. Comme ça quand je suis en session de GTA RP etc pendant des heures, petite chicha ça passe toujours crème. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il va y avoir des grosses vidéos qui vont arriver sur la chaîne avec mon petit frère qui est derrière la caméra. Donc je t'invite à t'abonner avec la cloche de notification, ok. Pouce bleu sur la chaîne, n'oubliez pas qu'à 1000 pouces bleus, je sais, ça fait une dégustation sous le lit. Donc c'est incroyable quand même, c'est incroyable. Mettez le pouce bleu, je compte sur vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Mikouche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.